Il dit donc, Pipi n'a où? Oh, Pipi a déposé. Maf, qu'elle parle là-bas, dis donc. La chance qu'elle suit ici, dis donc. Lolo Pipi. Oh. Tonta. Oh, le blanc t'a dépassé pour vivre avec. Tu as dit que tu aimais tes frères noirs. Ça t'a aussi dépassé. Hein? Tu vas mettre tes pieds sur qui la nuit? Tu vas encore envoyer qui allait acheter les condiments? Lolo Pipi, tu vas envoyer qui allait acheter les condiments? Tu vas encore envoyer qui? Hein? Un mof! Imbécile, imbécile! Regarde-moi, c'est la vieille chose! Avec les rides à la poudre! Tu as compris, non? Qu'elle n'est plus dans le clash! Qu'elle nous fiche la paix, dis donc. N'importe quoi. Tu vas appeler plus que ça. Mouf. Que quoi? Qu'on ne parle pas d'elle. Mouf. Parlons de cette diantre. Vous savez, la bordelerie même ne paye plus. Parce que les petites filles sont dehors. Les bosailleuses vendre le piment à 15 euros. Elle va rester dans le nid des Chinois à Aubervilliers. Elle va travailler combien par jour? C'est alors qu'elle réfléchit des projets. Tu sais, quand tu n'as pas les dos, elle va m'aller en Italie, dans les champs. Elle dit que, Lolo Pipi, tu as déjà vécu partout. Il te manque l'Italie. Tu vas aller dans les champs. Tu seras la diantre des Africains qui travaillent dans les champs en Italie. Oui. Elle va vendre le piment au prix du Cameroun. Elle va calculer sa pimenterie en France. 15 euros multiplié par 655. C'est comme ça qu'elle va calculer sa pimenterie. Wow. Le Pipi, quand j'étais, il faut la voir. Je ne suis pas, je peux recommencer. À quel âge? Maman, la levure fait mal au dos. Tu vas te couper les cassants qui vont te prendre à quatre pas. Ton dos. Hein? Ma? Même les banyans et de rompre. Là-bas, le quartier, il y a tout le bruit là. À Douala, là-bas, avant les 7. Avant d'arriver à l'université, il y a un quartier, il y a des bandits beaucoup là-bas. On vend le piment là-bas, les Banyangé, quartier Banyangé. On vend le piment là-bas sur le le tabrouet. Vous connaissez le quartier au Musport. Donc il y a un quartier là, le Musport. Pas le Musport même, non. Il y a un quartier là, quand tu montes tout droit, on appelle là-bas Bepanda quoi là-haut. Elle va aller faire diantre là-bas. Maman. Non, avant Ange Raphaël, il y a un quartier là. Avant Ange Raphaël, il y a un quartier, il y a les bandits là-bas jusqu'à... Il y a tout le bruit. Tu vois, tu montes comme ça. Quartier Fantango. Elle va l'être... Oh, Pipi, tu vas aller être la bordée de quartier Monaco, des grands moulins comme ça. Là. Vous savez, il y a un quartier là. Spassi Cacao, grand moulin. Bepanda quoi là? Américain bar. Bepanda grand moulin. Tu vas aller vendre les pandas. Non, pas l'an, pas des pandas l'an 2000. Et il y a un Bepanda là, que, quand tu peux au Carrefour Mala, tu vois non, voici Bepanda. Carrefour Mala, ça part comme ça, il y a un Carrefour, donc il y a un endroit là, vers Camtel, en face de Camtel là. Elle va aller, dit que, elle va aller là-bas, faire diantre, maman. Hey, hey. Oh, les cartons de ça, oh. Elle va aller faire la bordelerie avec la lampe. Maman,
Ce qu'on fait, les banyang et vendre le piment avec la lampe là. Tu vas entendre les bessikina. Les bessikina qui vont là tout ma comme ça que. Un bessikina va là tout ma. Il dit qu'il n'est pas joie. Rembourse-moi mon argent. Elle va venir avec sa. Elle va avoir sa carte de visite quand ancien Bengis, maman. C'est où le Bengis? Tu connais Bensikina? Bensikina, elle va prendre les coûts. Si tu veux, elle commence à vendre ton piment ici doucement à 8 euros. Ça fait 5 000. Banyange, Katia Nyange. Et de l'eau, le Pongkwa Nyange. Et de l'eau, le Pongkwa Nyange. Ah, oh, ne yé, oh, oh. Et de l'eau, le Pongkwa Nyange. Et de l'eau, le Pongkwa Nyange. Ah, oh, ne yé. Oh, si d'année, yo, oh, oh, mon Dieu, le ponga, d'autres, mon Dieu. N'a t'y pas le doton yangé, t'y pas le ponga yangé. Ou t'y pas le ponga yangé, t'y pas le. Y'a dit que, hein, j'appelle au bensikineur. Si vous la voyez dans le territoire, il faut la tout ma propre. Vous comprenez, non? Il faut la tout ma sur le carton propre. Elle va venir avec la carte d'Ancien Bengis. Regardez une vieille chouette. Elle s'assoit. Je peux recommander. Ma vie n'est pas finie. Maman, tu vas parler comme ça. Et la jeunesse. Et la jeunesse qui te regarde. Tu vas faire comment? Tu vas rentrer avec elle. Ta carte visa à ancienne Bengis. Mon frère, hein? Tu connais les femmes là, comment elles sont sauvages. Tu vas discuter la place là-bas. Il faut voir, maman, j'aimerais être là quand tu discutes là-bas. Je passe avec ma voiture, je passe avec mon 4x4, j'écrase l'eau, ça. Ça dit que, hein? Pipi, je passe avec mon 4x4, je tchac l'eau comme ça, la boue entre sur toi et je baisse la vie. Je serai en train d'aller rendre visite à ma copine. Je dis que, hein? Je vais seulement éclater les. L'eau sur toi et je vais baisser la vitre, je vais faire ça. Je vais te jeter même les bananes par la fenêtre que prends. Espèce de pauvre fille. Écoutez, hein. Ah. Tu as tout la grande gueule. Quand tu rêvais du mariage. Attends un peu, je déconnecte d'abord le, comment on fait point. Il faut voir quand elle rêvait du mariage, pipi. Attends, donc tu rêvais aussi du mariage, Adama. Donc tu rêvais du mariage. Écoutez comment elle avait le rêve de se marier. Hein, quand elle avait encore le rêve. Notre soeur, ma soeur. Ma soeur, pipi chou. Vous avez l'homme à la maison, un homme ça s'entretient, un homme c'est l'homme c'est un bijou, un homme c'est un bijou. Voilà l'hiver, tu vas dormir avec qui? Hein? Qui va l'acheter des condiments pour toi? Donc tu rêvais du mariage. Et il faut voir le jour de mon mariage, le jour. Maman, même si tu le reprends, hein, ce qui est sûr, il est déjà go. Même si tu le prends, il est d'abord go. Tout le monde sait que c'est sur toi. Tu bouffes. Avec qui? Tu vas encore lâcher tes cigarettes. Hein? Eh? Hey.
Hein? Dans 10 ans, tu vas prier. Dans 10 ans encore. Hey. Tu comprends? Pas malin le baby system. Pas malin le baby system. Au moins, Noara t'a fait comme ça, là, ça part. Non, 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 mais comment? Un mec qui raconte, j'envoie sur mon gars, là, j'ai dit à toi. Oh, Noara t'a. Mon gars, tu as compris? T'as pas les amis, rien à parler du monsieur. En fait, ici, prouve tout simplement que tu rêvais du mariage. Ici, tu rêvais carrément du mariage, là. Donc, toi, tu rêvais te marier dans les champs de vigne. Maman, le rêve de ça. Mais quand tu as un rêve, il faut donner les moyens de réaliser le rêve. Il faut donner les moyens de réaliser le rêve, là. Papa, faut que je sois un très bel homme. Ce monsieur calme, je n'ai jamais vu le type la fâcher. Le seul jour qu'il était énervé, c'est quand tu as ramené la basse dans ta maison, Totuma. Et il t'a demandé, mais comment le mec là s'est retrouvé? Comme tu avais honte, tu dis que non, j'ai ouvert la porte, c'est l'enfant, tu as mis ça sur l'enfant. Maman. T'as cuit jusqu'à tac, le cookie a cuit d'un côté le dossier. Maman. T'as dit que quoi? Je me vais dans les réseaux sociaux, rien ne me fait plus peur, c'est l'amour. Hein? Elle est toute sombre là. Rien ne me fait plus peur. Regardez comment elle est sombre. C'est ma communauté dans les réseaux sociaux, elle dit tant que ouais, bonsoir ma chère chérie, la plus belle des Bangoula, ma sexy girl. Ouais. Si j'avais mal, c'est que j'ai appelé la vie tant que depuis. Tu as mal. Non, tu as mal. Je l'ai appelé personne. Tu viens, je t'ai appelé. Tu m'as fait quoi dans les directs? Au lieu de te battre pour récupérer ton nom, pour faire l'assise et discuter avec lui. J'étais appelée, qu'elle-même aussi n'est pas dans son mari, elle s'est mariée, tu étais où? Oh, Avitanke, elle s'est mariée au Cameroun, tu es parlé à son mariage? Hein? Tu n'es pas allé la supporter dans son mariage, la soutenir? Oui, mon frère. Non, tu disais quoi? Dis-moi, si tu as quelque chose, il n'y a pas de problème. Oui, oui. Oui. Voilà, oui, c'est bon. Super. D'accord. Non, c'est toi en direct, non. Je perds mon temps comme ça. Mm-hmm. Non, les gens vont chanter le jour de l'anniversaire. Ils voulaient commencer à chanter là. Ils ont peut-être compris que. Non, la veille, on ne peut pas faire la veille parce que la veille, on a un événement. Non, le jour de l'anniversaire, on a les dépenses, non? Tu as oublié. Vendredi. Mm. D'accord, je l'attends. Non, moi, je ne veux pas aller faire les soins chez les Watts parce que les Watts n'enlèvent pas les comédons. Je préfère aller chez une noire. Ils connaissent mieux nos visages. Ok. Je l'attends. Dès que tu m'appelles là, je prends seulement, non. Ok, ça marche bien. À tout à l'heure. Non, j'aime encore Chop. Il y avait les trucs. Hier, là, tu sais qu'on était au restaurant hier, là. J'ai encore le couscous. Et j'ai même encore quoi, là? Voilà, j'ai la banane malaxée, même. J'ai le malaxé qui est là. J'ai la banane malaxée encore. J'ai... Le mouton aussi. Il y a le mouton. Il y a beaucoup de trucs. Je vais manger, je vais choper le malaxé. Non, t'inquiète, il y a tout. Tout est là, mon frère. Tout est bon. Rien à signaler, mon frère. À tout à l'heure, non? À tout à l'heure, non, père? Ouais. Tout à l'heure, je vais choper le malaxé. Il y a la banane malaxé, là. À chauffer du malaxé. Je
chauffe le mal, c'est... Ouais, Bertini s'inquiète pour moi. Tu as marre avec tous les nourritures là. Moi aussi j'ai faim, je prépare. Non? Moi, ce que j'ai envie de... J'ai tout. Je suis là avec mon frère qui s'occupe bien de moi. Maman, c'est pas à l'hôtel. C'est moi qui ai refusé d'aller à l'hôtel. Hein. Pour ceux qui me connaissent. Moi, quand j'arrive quelque part où je sais que j'ai mes bons gens dessus, je ne pars pas à l'hôtel. Surtout quand je vais pour longtemps. Pourquoi je vais aller rester à l'hôtel, mon frère? Je pouvais même rester à l'hôtel. Parce qu'il m'a proposé, tu veux rester à l'hôtel ou à la maison? J'ai choisi la maison. C'est mon choix, non? Comme ça, je veux ma chose et je fais. On était en train de parler de quoi, mémé? On parlait de quoi, les cœurs chauds? Je suis en train de chauffer la banane malaxée. J'ai fait la banane malaxée aussi. On parlait même de quoi et... On parlait de quoi? Tout à l'heure, il envoie une personne venir me chercher pour aller faire les soins de visage. J'ai un peu les communes. Oui, les filles qui t'écoutent. Les gens qui font le dollar avec le Jansan. Les gens qui font la photo de avec le Jansan. Donc, quand vous voyez une personne comme Lolo, elle n'envoie pas, il faut acheter les condiments. Même si on dit que ce sont les femmes qui ont le pouvoir. Par respect pour nos coutumes, par nos mœurs. Un homme pas travaillé, il rentre, il est fatigué. Au lieu que tu enlèves, moi je vais la prendre le mariage. Au lieu qu'elle le déchausse, elle masse ses pieds puisqu'il travaille dehors. Il travaille, il est dans la maçonnerie. Donc c'est un métier qui n'est pas facile. Il rentre du travail, Lolo Pipi lui dit que va acheter le poireau pour mettre dans le gombo. Prends le poivron, je vais te faire le coquille. Elle fait le coquille, elle met le poivron dedans. Quand on veut rester dans le mariage, on se donne les moyens. Si on reste 20 ans avec le what? Les what? Vivre avec les what, c'est pas facile. Moi, je vais rentrer chez les what? Quelqu'un dit que pourquoi tu m'as bloqué, ma faute. J'étais bloqué où? Hein? Lolo Pipi prépare le coquille avec le poivron. Elle est à terre. Regardez à quoi elle ressemble. Je suis allée, il y a un truc là, l'ambamoise. Pas chez l'ambamoise. Elle prépare le coquille avec le poivron. Quelle honte. Regardez comment elle est toute sombre. La plus belle des Bangoula, ma sexy girl. Tu n'es pas là à son mariage. Si j'avais mal, c'est que j'ai appelé à vite un peu de plus. Tu as mal. Tu as bien mal. Arrange ton mari, va chercher ton mari. Arrête de dire que si tu avais mal, tu as bien mal. Tu parles de quoi, mon frère? Tu parles de quoi, ma soeur? Tu parles de quoi que si tu avais mal? Tu as mal. Comment? 14 ans, tu penses quoi? Tu te tournes de gauche à droite. Tu n'as rien. Déjà même, tu n'étais jamais. Les filles vendent le piment pour investir avec leurs hommes. Tout ton piment que tu as vendu, tu as investi quoi avec ce monsieur? Tu as investi quoi avec lui? Rien du tout. Parce que pour toi, tu as toujours pensé que, oui, il a d'autres enfants, c'est monté, c'est descendu. C'est comme ça que vous êtes. Hein? Personne ne t'a pris ton gars. Personne ne t'a pris l'homme. Tu t'assois partout, vous racontez les conneries. J'ai dit que je ne fabrique plus les gens. Je ne parle pas de n'importe qui sur mon mur. Je suis désolé. Hein? Ça, c'est quoi ça? La souillure de ça. Tourbillon du désert dit quoi? Après, il y a une personne chez qui je... Il a encore tourbillonné. Ouais, il y a tourbillon du bizarre. Il a encore tourbillon du désert, encore tourbillonné. Il a encore dit quoi ici? Ma page est petite. Désabonnez-vous. Quand vous parlez, d'autres reviennent.
Depuis que je suis pour la c'est vous qui m'avez donné les abonnés que j'ai là. C'est vous. C'est vous qui m'avez donné ça. L'enfant. C'est vous. Partez prendre une ancienne tourneuse de film X à l'ISOMO. Vous venez faire l'émission. Elle aime dénigrer Flo et Compresseur. Et quand je parle, vous voulez boule, vous voulez mettre. Hé, tout bien encore changé. Hé, que. Tout bien encore changé. Puis ça, chez la Mbamoise. Maman. Tourbillon a encore changé de côté, mais que quoi? Oh, tourbillon. Oh, oh, le fou du village. Le tourbillon, le fou du village. Il dit quoi? Tourbillon, eh? Tourbillon, un cas. Ce n'est pas ça, mais. Tourbillon dit quoi? Vous êtes qui? Tourbillon. L'émission n'a pas d'autre chose à parler. Eh, tourbillon, non, mais ben, c'est pas. La diaspora qui est là. Parlez des choses qui impactent. Hé, hey, tourbillon dans les conseils. Hein? C'est quoi tous les jours? Oh, c'est pas Flo, c'est ma bébé. Ma bébé, c'est Flo. C'est quoi? Hey. La télévision n'a pas autre chose, n'a pas d'autre débat important. Comme on peut répondre, on voit que lui, Lolo a fait une télévision aujourd'hui. Que, hein? C'est son fils, hein? Tout ça parce qu'elle est entourée de têtes percées, des malades. Hey. Tourbillon. Hein? Voilà l'autre qui n'avait pas à soulever l'enfant. Elle en pleine durée, l'enfant chie. L'enfant pète, l'enfant vomit. Elle est incapable de s'occuper de l'enfant. Parce qu'il y a le direct. Pour dénigrer les gens. Vous pouvez dénigrer qui. Jusqu'à ce que les rêves, il pousse sa bouche comme la fosse. Chaque fois qu'il appelle ici, il n'est plus. Maman, moi, j'ai appelé hier parce que Mano savait venir mentir là-bas. J'ai tapé sec. Si tu laves, pipi, tu laves, pipi, propre. Propre. Eh, t'as vu, tu as fait le direct ce matin, après il a supprimé. C'est parce que mon direct a sauté, il dit que je reviens. Parce qu'on a envoyé les queues, la page est restreinte. S'il n'y a pas les queues, ça va sauter. Hé! Hey, hein? La maîtresse! Tout bien encore tout. Nous bien du désert! Hé, hey, son temps a changé. Hé! Hey. Le téléphone de tourbillon fait que comment souvent comme ça? Il positionne mal. Je parle de ce qui est vrai. Je dis et j'assume. Tourbillon, bibon. Le bibon, tourbillon. C'est qu'elle est partie faire, on n'est pas sa place. Eh. Ça n'avait pas sa place. Oh. Oh, le bibon. Ça n'avait pas sa place. Oh, le bibon, tourbillon. T'as allé, quand on est grand, on se respecte. Tourbillon du désert. On a vu la formule de ton fils ici, là. Maintenant, quoi ça ressemblait. On a vu comment tu tournais les films. Tourbillon du désert. T'as récupéré un gros japonais comme ça. Il t'a récupéré. Malassé de ça. On a vu ton bénin comme ça en live. Maman, j'ai vu pas comment tu chef. Maman, tu vois même la qualité là, tu ne parles de même pas. Riche. Et tu vas venir parler des femmes comme toi dans les réseaux sociaux. Depuis que tu as des abonnés que tu as montré là, qui t'a invité un jour parce qu'on dit que tu as voyagé. Tu n'es pas tourné. Tu n'es pas en France comme si tu le fais là. Au Cameroun, le danser est sale. Tu vas pas le faire quoi? C'est vraiment. Hé! Hey, tourbillon du désert, maman! C'est la malchance, la méchanceté, c'est la coupe partout. On pense que vous ne savez pas quoi. On a peur de toujours les avoir, on va dire. On va une tienne des pommes, volant comme ça. Hé! Hey. Une tienne des pommes, les têtes baissées. On a Flo qui mange dans la rue des États-Unis. Tu vas dire que c'est elle qui fait le blog, elle va dire que non. C'est elle qui fait la télé, elle dit non. Hein? Qui où tu désert? Hein? Et non, on parle là, ma chérie. Tu connais Tourbillon? Je suis parti appeler. C'est normal. Partout où on parle, ils sont fâchés. Nana reste fâchée parce que hier matin, j'ai dit à mon direct que elle n'a pas le droit de descendre, de parler de Flo. Si elle parle à la télévision de Lolo, elle laisse le nom de Flo et ma pépée tranquille. Ce n'est pas elle qui prend la télévision là. C'est là que non, sans le nom de ma tête et Flo, la télévision n'est rien. On va dire que oh, je suis encore le faux. J'encourage pas le faux. Non. Elle m'a dit que le matin, c'est la dénigrer. Quand t'as la ligne et la télé, puis quoi, je dénigre la télé là si je veux. C'est les histoires, c'est la foutaise. Hey. C'est la télé des têtes baissées. Hey. C'est la télé des cuisses ouvertes. Hé, hey, tourbillon. C'est la télé des cerveaux écrasés. Tourbillon, tourbillon a tourbillonné. Une télévision de concubinat, les femmes qui ont raté leur vocation. Aïe! Que les prostituées, les anciennes Waka de l'époque d'Aïdjo. Janka! Je t'en ai déjà posé au carrefour. Ouais! Santé, oh! Ça crie jusqu'à tac! Maman, c'est tourbillon! Je suis d'un côté.
côté le toast. Maman, tourbillon du désert. Ah, oh, 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 le tourbillon. Eh, hey, ça c'est vie. Il y a les pages que les hommes voient. Mon sang est maintenant sur le soleil. C'est le malaxé. Et que mon sang il profite déjà la veuve. Mon sang sans mon nom. Vous savez que sans mon nom, le blog n'est rien. Yeah, Borosang, yeah, avec ses gros scènes. On opère ça. Borosang, yeah. Avec tout mon argent que tu travailles, tu vas me rembourser. Je gagne l'argent sur mon dos. Avec mon nom. Désolé de manger, hein. Il est 13h. Je vais manger parce que on va venir me chercher pour m'amener à. Je vais à la Beverly's tout à l'heure. Bertrand, mon gars. Sans que des sens, c'est pas égal. Bertrand. Bertrand. C'est qui? Kento. Comment va Kento? Elle souffre, toi, avec mon nom. Je sens que je sens sur une page. Regarde-moi l'introduction. Alors, c'est... mes followers... c'est lancé? C'est lancé, regarde. Bonsoir. Écoutez-moi les choses. Vous savez que hein, la vraie télé, ce n'est pas le direct Facebook. Hein. Regarde-moi une soi-disant présentatrice TV. C'est lancé. Non. Il y a un truc qu'on te fait. La télé, donc, c'est toujours fait. Ouais. Vous avez dit que ce n'est pas la télé. Dit qu'on dénigre sa télé. Quelqu'un qui garde sa télé elle-même. C'est nous les blogueuses. Tu pourrais faire un truc. Tu invites les blogueuses. Même si on ne te parle pas. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas passer à ta télé. Mais oui. Est-ce qu'on passe à ta télé? Ça veut dire qu'on est amis. Est-ce que quand tu fais une télé, tu fais passer que tes amis? Non. Tu fais passer les personnes qui te donnent la visibilité. Parce que les personnes que tu fais passer là, ils ne peuvent pas te donner l'audience. Les vrais buzz de ta télé, c'est de faire passer les personnes qui sont contre toi comme les nous. On vient dans ta télé, on te dit les vérités dans ta télé. Et ça ne chauffe pas. Elle fait quoi? Elle tremble quoi comme ça? Ah, le combat pour être en passé, c'est le samedi que papa faut déjà vivre chez Marie. Il passe moi le vendredi, il revient que le lundi. Ils m'ont fait là-bas. Elle me prend à 16, super. Quand elle est dehors, tu m'appelles, je vais. La barrière, je peux sortir, non? D'accord, ça marche, père. À tout à l'heure. Thank you. Donc, ta vraie télé, c'est le buzz avec les gens comme nous qui sont contre toi. Tu ne peux pas réussir ta télé sans nous. Parce que tu es une blogueuse à la base. Les gens vont arriver là, te dire, mais, t'es cette blogueuse là, tu les laisses et tu viens là raconter quoi? Attendez, je prends le chargeur. Je vais ouvrir le vent. Je m'en vais à Beverly. Là, vous voyez qu'à la télé. Voilà le truc. Bien. Attendez, elle est cœur chaud. Vous savez ce que j'arrange bien le cœur. Voilà, très bien. Je mets comme ça. Et je fais comme ça.
Donc je vais aller à Beverly Hills tout à l'heure. Donc ta vraie télé, non? C'est le buzz avec nous. Tu ne peux pas réussir ta télé quand tu es en désaccord avec les blogueuses. Tu ne peux pas. Parce qu'il y a un problème, tu es une blogueuse à la base. On te dit que dans la vie, non, même pour réussir, il faut être hypocrite. Invite les blogueuses ivoiriennes, tu commences à inviter les blogueurs avant de passer aux artistes. Tu n'es pas artiste, ce n'est pas une vraie télé. C'est une télé Facebook. Hein? Invite même ta marraine Sombila. Elle vient nous dire... Elle vient nous parler des personnes âgées quand tu travailles à l'hôpital. Comment ça se passe? Arrête de t'attarder sur nous. Arrête de t'attarder sur nous. Il y a les femmes, les aides-soignantes qui peuvent parler. Comment ça se passe? Tous les gens que tu as amenés à ta télé, est-ce qu'ils ont décollé? Ça n'a rien fait. Fais la promotion de la culture des artistes. Vous avez voulu monter un coup pour dire que... Oh, mais vous avez compris que personne n'était d'accord avec vous. Les petits coups montés à deux balles. Mm-hmm. Oui, chérie, je vais à Beverly Hills. On me fait un soin. Vous voyez qu'aux États-Unis, il y a tout, même la banane malaxée. Tu as compris que c'est mon nom qui donne les vues. Depuis que tu fais la télé, que tu as commencé ton truc là. Depuis que tu fais ta télé là, la seule personne qui est passée là-bas, qui a fait l'émission, qui a quand même, la seule personne qui est passée là-bas, qui a quand même parlé de sa, de soi, qui a parlé de ce qu'elle fait, c'était Marthe Chopin là. Oui. Tu as vu qu'elle ne voulait pas entrer trop dans certains détails. À la télé, on ne parle pas de n'importe quoi. Quand elle est venue à la télé, elle a parlé des choses. Est-ce que tu as vu un moment, elle a fait le lien en citant les noms des gens sur Facebook? Non. Elle a parlé de sa relation avec son gars. Hmm? Dès qu'on a téléchargé le code OM, mon code promo, tant que je fais pareil, je ne suis pas obligé de parler de Lolo Pipou pour être vu. Vous-même, vous voyez, je fais mes choses, je ne parle pas d'elle. Je ne parlais pas d'elle jusqu'au jour où je parlais des histoires de Bob Lee. Elle vient se mêler pour me clasher que j'ai dit que... Le seul jour, elle allait parler des Ivoiriens, je me suis mêlée. Non. Mon code ne passe pas. Mais est-ce que vous avez écrit FDL au ME à la fin? On va bien m'expliquer. Je vais voir le directeur d'Orange. On va faire une petite vidéo pour vous, la démonstration alors. Pour mon anniversaire, je vais faire le bouillon noir.
Quand je dis que j'ai son nom dans la bouche, j'ai son nom dans la bouche tous les jours parce que elle me prononce normal. Regarde, chaque fois qu'elle fait une émission, ça fait deux émissions successives qu'elle prend les gens qui vont parler de moi. Est-ce que c'est bien alors? Tu peux aussi lui dire. Elle peut aussi faire émission et éviter mon nom. Il y a beaucoup de sujets de société. Il y a une personne qui est partie faire. Il y a une dame qui voulait faire la chirurgie. On l'a découpée au pays. Je suis en train de manger. Je n'aime pas parler de trucs comme ça. Mais il faut savoir que la chirurgie, c'est pas pour les pauvres. Il faut avoir les moyens pour aller chez un chirurgien. Il faut avoir l'argent, c'est pas les choses du quartier. Il faut aller chez les gens, personnes compétentes. Ok. Je ne connais plus mon code. Donc moi je parle, parce que quand on ne répond pas, vous croyez qu'on a peur, non? Même en face, je n'ai pas peur de l'eau pipi. C'est la vérité. Quand je suis calme, que je fais mes choses. Parfois, enfin, je ne fais même pas les directs. Vous voyez, ici, il y a 9 heures de décalage horaire. 9 heures de temps, c'est énorme. Ça veut dire que les gens sont même ici aux États-Unis comme ça. Même ceux qui vivent ici, il y a un décalage horaire. Par exemple, on va prendre l'exemple de quel état? On va prendre l'exemple de Atlanta. Il y a 3 heures de décalage horaire entre Atlanta et LA. Tu mens la banane malassée à quelle heure? Chérie, il est 14h. Vous aimez quand les gens se répètent? Je vais boire une bonne bière mexicaine. Bon. Je vais me préparer. Je vais prendre quoi comme dessert? En vrai, moi, j'aime pas trop le dessert. Ça, c'est quoi? C'est le ginger. Je n'aime pas un truc glacé. Moi, j'aime pas quand quelque chose est frais. Donc, ce qui fait que moi, je ne bois pas l'eau glacée. Je ne bois pas ce qui est au frais. Quand les fruits sont au frais, ça là, je n'aime pas. Hein? Je ne prends pas les fruits qui sont au frais. Je ne bois pas l'eau glacée. En vrai, c'est un truc ici qui n'est pas au frais. Voilà, ça, c'est quoi? Mon téléphone est tombé, mes cœurs chauds. En fait, je vais pas dormir. À 16h, donc je peux aller me coucher même. Je vais faire une petite sieste. Mais... soit m'en va en bas là-bas. M'en va rester en bas là-bas. Ça, c'est bon. C'est sans alcool. C'est la Guigui. Une bonne petite Guigui. Yamen FDL. Pardon. Ouais, pourquoi ici aux États-Unis, tout le monde va travailler, non? Je cherchais, c'est même pas ici là, je... Bah moi aussi, je cherchais un truc. Bah moi, je cherchais un truc, je m'amoise.
Il y avait un... Ma copine Chou. C'est elle n'est plus avec les ténèbres. Et bon sang, il y a acheté ce quelqu'un. Attendez un peu. Excusez-moi, Bonsang est assise sur ce genre de chaise comme ça. Regardez Bonsang. Elle est dans quel village comme ça? Regardez. On a donné le coup de poing. Boro, change ton canapé là. Ça, la brocante qui a ça, chérie. Boro, ce sont les chaises de la brocante, chérie. Tu connais pas la nouveauté? Il faut taper souvent. Google, vous voyez comment on fait les nouvelles décorations. Il faut chercher, tu dis que tu es riche, il faut chercher les décorateurs d'intérieur. Attends, je vous montre quelque chose. On cause, non, je m'ennuie, on cause, non, les cœurs. Attendez, je vous mets alors un truc. J'avais écouté un direct là. J'ai rigolé, Pipi était là-bas en train de se défendre. Chaque qui touriste, bon rendez-vous, je viens. Je me rappelle quand tu as baisé mon gars pour avoir le visa. À Yaoundé, vous étiez trois. Carole Alanga, Marie Tchadjo, Marie d'ailleurs. Vous avez pris des massages. Regardez-moi les vieilles bordelles, les vieilles prostituées comme ça. Elles prennent le mari de quelqu'un, baisse. Nemanou, si tu connais changer de bouche. Donc quand tu es ailleurs là-bas chez les ténébreux, tu insultes. Donc demande-nous quand elle est chez les ténébreux. Voilà ça. Donc, quand elle est donc chez les ténébreux, sa bouche change. Alors qu'elle est en train de dire à tout le monde que ma soeur, quand tu es dans la ténébrette, quand tu es dans les ténèbres, tu changes de discours. On sent que c'est en direct. Yeah. Donc les filles ont fait la réunion dans les ténèbres, ma. Il y a eu réunion. Il y a eu réunion dans les ténèbres. Maman, bon sang, ça c'est qu'un des manous. Mais pas. Comment va la rose 237? Comment elle va? Maman Adama. Adama. Adama, je vous montre un peu. Bon sanguin, on va aller dans l'architecture. Je tourne pour vous montrer un peu un truc que... Attends, je tourne la caméra. Voilà. Regarde. Il faut vivre dans la nouveauté. Ça, c'est mon intérieur. Futur intérieur au Cameroun. Ça, c'est la cuisine. Déjà dessinée. T'as vu, ça, c'est la cuisine. On continue. L'architecte. On continue. Non, ça, c'est l'intérieur. Cuisine. Cuisine toujours, ça. Quand vous dites que, oh machin, voici mon intérieur au Cameroun. Voilà comment sera l'intérieur. Moi, je veux faire un bling, pas trop le bling bling là. Vous voyez un peu. Ça, c'est l'architecte d'intérieur. Ça, c'est le salon. On est d'accord. Tu vois? Parce qu'il faut tout dessiner. Ça, c'est un architecte d'intérieur. Voilà comment il a fait. Là, c'est l'intérieur.
On est d'accord. Après, là, c'est la cuisine de, du studio en bas. Toujours. Là, c'est toujours le salon. Mon futur salon au Cameroun, du gris comme ça. Parce que là-bas, j'ai vu que les gens mettent trop de couleurs. On est d'accord. Là, c'est l'architecte d'intérieur. On travaille derrière les plans d'intérieur. Vous avez dit que c'est, je vais faire le meublé pour les abeilles quand vous êtes là. Voilà, c'est comme ça. Je vais vous montrer. Ça, c'est la chambre d'un studio en bas. Aujourd'hui, on travaille tout sur plan. Ça, c'est un studio dehors. Derrière, là-bas, en bas. Je vous montre tout parce que... Ça, c'est tout le studio, là. Ça, c'est toujours ça parce qu'il faut travailler tout. Et toujours ça. Regardez. Ça, c'est la salle de bain. Ça, c'est la salle de bain. Une des salles de bain. T'as... Donc, parce qu'aujourd'hui, les architectes d'intérieur, on ne fait plus des choses sans consulter les spécialistes, tu vois. Il faut travailler tout. Ça, c'est la salle de bain. T'as ta petite baignoire, jacuzzi qui est là. Je vais vous donner le contact de cet architecte d'intérieur. Lui, il est spécialisé dans les finitions. Donc, quand tu fais la maison, lui, il est spécialisé dans les finitions. Ça, c'est où? Bon. Ça, c'est toujours le studio en bas avec un petit canapé. OK. Après, c'est la cuisine toujours ici. On est en bas. Hein. Toujours la cuisine. Parce qu'on travaille un endroit. Quand je valide que c'est bon, ça, c'est ma chambre. La chambre en haut. C'est la chambre en haut, ok. Après, je vais vous montrer un peu ce que ça, cet architecte a déjà eu à faire. Lui, il est envoie ma photo le jour de la famille. Ok, je vous montre un peu parce qu'il est spécialisé dans les finitions. Il est spécialisé les finitions, c'est son truc. On ne fait pas les finitions au hasard. Donc. Je vais vous montrer un peu un truc. J'ai envoyé un truc avec le téléphone de maman Anna, non? Ok, de maman Anna. Ok. Attendez, je vais faire un truc. Téléphone de maman Anna. J'ai envoyé quelque chose. Ça, c'est les amis de maman Pépé. Un jour, quand je partais au Cameroun. Je cherche un truc. Attendez, je cherche quelque chose. Attends, non, ça c'est les photos que j'envoie. Moi, je vais les pierres comme ça sur le mur. Ce que je voulais vous montrer. Donc, ça c'est les toilettes suspendues. Attendez, je regarde. Je voulais vous montrer ce qu'il a déjà eu à faire. Ok, je n'avais pas. Comment on appelle l'hôtel? L'hôtel qui est Nyanga, là, qui est là-bas à Baganté, là. On appelle hôtel. Je suis allé là-bas, j'ai triché quelque chose, j'ai filmé. L'hôtel qui est à Baganté, qui est joli comme ça, là. Un boxeur. L'hôtel qui a Baganté, là, on appelle là-bas comment? Hôtel quoi? Hôtel. Hôtel Tajidor. Voilà, je vais vous montrer un truc que j'ai triché à Tajidor. Et le boxeur. La reine galloise. Poupounette. Chopinette. Dieu éternel. Hé! Ah, même Pipi, même qui se filme avec sa star. Regardez comment, quand elle a vu sa star, elle était fière. C'était au Cameroun.
La voici ici qu'elle est en train de filmer. Après, elle va venir parler que wow. Regardez, je n'efface pas. Imbécile au carré. À Bangou. Voilà Pipi qui fait la photo. Eh. Là, voilà, c'était au Cameroun. Pendant la CAN. Là, voilà qui fait la photo. Eh. Son show était assis ici. Ah, c'est moi. Au village. Ah, c'est moi. Ah, ça, c'est moi avec Dora Deka. Ah, ma belle sœur Yem. Oh, ça, c'est. Elle est. Comment on l'appelle? Elle est. Elle est ministre. Hé. Comment? Francis le libéral. Elle est écrivain. Ah. Ah. Et Dorcy Yao. Ouais, quand on l'avait, et Dorcy Yao. Ah, comment on appelle l'artiste ici? Un Congolais. Mais j'ai déjà quand même coûté les artistes, hein. Waouh. Oh, avec ma belle-sœur, la star Lady Ponce. De Bordeaux, Likoufa. Ah, grâce des cas, ici c'est en Suisse. Ouais, j'étais en train de chercher autre chose, je tombe maintenant sur autre chose. Oh mon Dieu! Oh là là! Arafat. Arafat Didier. On était le jour là. Le gars, Arafat était trop gentil. Ce jour. On était des FAO, j'étais partie dans un pays, je pense que j'étais en Suisse. Des FAO, ça devait être, j'étais dans un salon, je partais dans un pays, dans un salon, et puis on s'est croisés là-bas, et tout, on s'est même échangé de numéros. Et donc c'est Yao, un jour elle est venue à Paris, comme les managers, et Mignas, hé hey, Nyango, non, du Sud. Foufap. Francis le libéral. Oh, le 9. Invité précis du 9 décembre à Paris. Dora Deka. Regardez comme je m'habille quand même bien. Hein? Soyons honnêtes. Je m'habille chic hein, quand je pars dans mes soirées là. Regardez comment je t'ai habillé. Regardez, ma tenue, si m'avait coûté 350 euros. C'est joli, non? J'ai apporté ça deux fois. Ça, c'est devant chez moi, dans mon village. Oh, une fille qui a conçu dans son village, les gens viennent parler. Ah, Pipi qui fait la photo avec sa star. J'ai dit qu'elle n'efface pas ça. Parce que comme elle aime nier que je ne peux pas, je ne... Oh, mon frère Dieu éternel. Oh, ma poupouillou, ma choupinette d'amour, ma reine galloise, le boxeur. Ok. On descend. Pardon, il ne faut pas qu'elle tombe sur les choses de l'agnasse. C'est ce que vous allez capturer, non? Nyangono du Sud. Oh, et de Yao. J'espère qu'elle va bien. De FAO. La star Lady Ponce, de Bordeaux les confets. Grâce des cas, regardez comment quand je me filme avec les stars, ils sont toujours souriants. Il n'y a personne qui fait comme si, regardez bien comment les stars sont heureuses. Avec le sourire. Ce n'est pas le mou de bouche comme ça. Hein? Regardez, j'ai vu Dora des cas, c'était où? Regardez comment les stars ont toujours le sourire. Regardez des FAO, le sourire sans forcer. Lady Pont, sourire sans forcer. Des Bordeaux, lui couffait.
Le sourire sans forcer. Grazeka. Le sourire sans forcer. Koundé Koun. Oh, le mari d'Olivia. La belle Olivia. Koundé Koun. Chacun a son, sa chèvre sur Facebook. Tu as été calé à Odne. Ouais, Koun. Voilà alors le jour que j'ai rencontré Samuel Eto'o. Est-ce que vous savez que Samuel Eto'o est humble? Un jour, j'ai rencontré Samuel Eto'o comme ça. Il est tellement humble, ce mec. Ce président. Il est trop humble. Il a dit, ah non, attends, je vais faire la photo. C'est s'il voulait faire la photo. Moi, j'étais un peu, tu vois, j'avais un peu peur. Et je me fous, voilà Samuel Eto'o, non? Oui, salue-le. Ah, j'étais là. Après, il a dit, oh, ça va? J'ai dit, je vais bien, tu vas où? J'ai dit, j'étais au Cameroun, je suis en train de rentrer. Après, il a dit, non, donc, je vais faire la photo et tout. Regardez. La photo qu'elle va accrocher, j'ai dit que... C'est une photo que je vais... Vous avez les photos de Samuel Eto'o ici dehors. Mais vous n'avez pas les photos inédites comme moi. Regardez bien le neuf. Regardez bien le 9 des 9. C'est lui qui a dit qu'il veut faire le selfie. Ouais, c'est quoi, non? C'est qui? Allô? 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 Oui? Allô? Oui, allô? Oui? Bonsoir. Bonsoir. C'est comment tu es seulement à la cave? Je pensais que j'étais dans le direct. Non, le direct est fini. Oh, désolé. Ah, pas de problème. Sinon, ça va? Oui, ça va, ma faute. J'étais sur Paris avec mon mari. Ah, vous êtes rentré? Mais pourquoi tu ne m'as pas cherché? Comment vous êtes même comme ça? Ouais. Je n'avais pas ton numéro, ma faute. Tu arrives à... C'est mon numéro, non? Oui, dès que j'arrive, on va t'appeler. Dès qu'on arrive, on va t'appeler. Vous ne venez pas à la soirée? La soirée de Petit Pays. Oui, le 9 décembre. Oui, si on est là jusqu'en décembre, enfin, je ne sais pas si on sera là jusqu'en décembre, mais si on est là, on viendra forcément. Ah, c'est comment? Ça a été les vacances à Paris? Oui, ça a été. Mais je viens au Cameroun tous les jours, tu ne m'invites pas, comment non? Abéchou, je viens au pays tous les jours, tu ne m'invites pas. Non, je t'ai appelé une fois, je t'ai même demandé de faire des soins et la coiffure chez Sophie, mais tu n'es pas passé. Ah, je ne connaissais pas, peut-être je n'ai pas... Oh là là. Ouais. Non, c'est que c'est pas moi qui répondais. Non, là, c'est mon numéro perso. Je suis à Los Angeles. Mm-hmm. Oui, j'ai vu sur les jours. Ah, ça se passe bien. Ça a été à Paris. Oui, j'étais sur Paris. On est rentré il y a une semaine. Mm-hmm. Il va bien, ton mari? Oui, ça va. Donc, il a baissé. Oui. Il met les écouteurs, il me combattait avant, non? Ah! Ne me dis pas, j'aime. Il dit que tu écoutes quoi? Aujourd'hui, il met les écouteurs. Avant, il aimait écouter Lolo. Quand il a vu que je n'aime pas Lolo, il a changé de camp. Avec tous les cris de Lolo, là, maman. Avec la ténébrie, il ne voit pas qu'elle crie, elle fait le surpasse. Suivre les gens qui évoluent. Il a arrêté de la suivre. Mm-hmm. Vraiment. Il a bien fait, vraiment. Il est rentré à la maison. Oui. Bien comme il est rentré. Il faisait ses débats à cœur ouvert, là. Il aimait bien regarder. Mm-hmm. Surtout quand il parlait de la politique. Ah, quand... Il faisait des débats d'actualité. Oui. Maintenant, il ne dit rien de bon. Alors qu'elle pouvait bien se concentrer. Toute sa vie est concentrée sur la reine-mère. Voilà. C'est normal, non?
Popula répond la main forte. Tu sais, est-ce que Popol répond à ses détracteurs? Quand il est en haut là-bas, il les regarde de haut. Il te dit, je vais leur dire quoi. C'est vrai, hein, tu as raison. Je vais maintenant faire comme ça. Répond pour détracteurs. Non, c'est que de temps en temps comme ça là, il faut venir un peu oui, ambiancer seulement la page, non? Oui, c'est ça. Je vais enregistrer le numéro. D'accord, la main fou. Bon séjour. Merci beaucoup. Je te fais des gros bisous. Gros bisous, la main fou. Merci. Ah, je vais enregistrer le numéro. En fait, je croyais que c'était les Nyama Nyama. Là, c'est une container of Denga. Balakoun. Balakoun qui est là. Est-ce que vous m'avez vu que je suis en train de parler que wow, le 9, est-ce que vous avez vu Koun venir dire que wow, machin, tout ça là? Non. Parce qu'il respecte. Ouh, la reine mère, voilà. Challenge bisous avec le 9. Challenge bisous. Challenge accolade. Voilà l'honneur. Regarde le sourire. Le sourire de ça. Oh, le sourire. Oh. Oublie pipi et fais. D'accord. Non, c'est de temps en temps, non. C'est elle qui me fait souvent. Je reviens sur elle, non. Vous voyez souvent. Regardez le père. Oh, le bisou. Oh, maman, le parfum de papa et toi est resté sur moi pendant 2 mois. Quand ils sortaient les photos aussi avec les stars, on voit nos regards. Je suis star depuis, regardez. Depuis From. Regardez, je suis aimable, je suis adorable. Les gens m'aiment. Regardez, papa est ok. Le jour là, non. Le jour là, il est passé à l'aéroport. Un policier voulait un peu dire que quoi là. Samuel, toi, a dit que pardon, laissez-la. Le jour là, il m'a dit que. Ouais, tu sors d'où? Il dit que non, il était là-haut. Le jour là, il était allé inaugurer. Le pavillon à la Quintini, non. Et comme ça, quand on s'est croisé, il voulait passer, le policier voulait un peu refuser que la personne qui m'accompagne passe. Maman, le 9 a le pouvoir. Il a seulement dit, mais laissez Flo passer et tout, laissez-la. Et ses gardes du corps disaient que, hé hey, Flo, attends, on fait la photo, tout ça là. Quoi? L'amour que les gens ont pour moi, vous allez faire les 100 milliards de vidéos, ça ne changera de rien. Ça n'a pas donné. Est-ce que le 9, regardez, je te dis alors qu'un jour, je ne cite pas le nom. Ils ont invité le 9, non? Le 9 a d'abord envoyé quelqu'un, regardez, j'étais là. Il a d'abord envoyé, regardez, que, allez d'abord voir les qui sont là-bas. Quand on est venu lui dire que, il y a ses ennemis remplis dans la salle, il a dit qu'ils ne viennent pas. Il était lui chez lui là-bas. Et ça, je suis allé manger, j'ai bien bu là-bas. Il y a quoi? Je pars là-bas. C'est parce que je suis quelqu'un, il ne veut pas trop bavarder. Pas là-bas propre. Chez lui, là-bas, dans le 16e. Je suis allé là-bas, j'ai bien bu là-bas le vin, le champagne, j'ai bu propre. Il n'était même pas là. Ce gars là-bas, j'ai bu propre. Regardez. Quand ils voient comme ça là, ils vont dire que c'est le collage, maman. Regardez. Le sourire de ça. Sortez vos photos avec le 9 qui sourit, on voit. Voilà ce qu'il va accrocher dans mon salon. Il a dit niet. Il a dit qu'il ne vient pas. Il a dit qu'il ne came pas. Je ne suis pas une racoleuse. C'est que j'allais l'appeler que Flore de Lille, où c'est monté, c'est descendu. J'ai son numéro perso. Mais j'ai dit que son numéro personnel, oh. Il est là fatigué des milliers de personnes qui l'appellent. Regardez, sortez donc vos photos. Challenge photo avec le 9. Et avec le sourire sans forcer. Regardez le sourire d'une personne qui connaît quelqu'un. Regardez bien. Il n'a pas dit que c'est qui. Voilà ça. Il avait dit le jour à sa femme. Il dit, mais c'est qui? Il dit, attends, je vais t'expliquer. Passé à l'aéroport, les gens venaient. Ils disent, mais c'est qui? C'est qui? Mais ma perruque s'est quand même sentait un peu. Tu sais qu'elle a sueur du pays. La maman, il y avait quand même les odeurs sur la perruque. C'est ça, on vous mentit. Regardez la photo aussi, sans forcing, la photo là, regardez bien, et les gens nous ont fait les photos là-bas, c'était au salon VIP,
Je n'ai pas. Est-ce que la photo, si regardez bien cette photo, est-ce que j'ai dit que tu me connais? Est-ce que je sais qui me connaît? Pas les histoires de Daphné. Daphné, tu me connais, non? Voilà ça. Koun, toi qui étais l'ami proche du neuf. S'il n'apprécie pas une personne, il peut sourire comme ça. Il peut sourire comme ça. Voilà ça. Vous croyez que vous avez fait comme m'aider? J'ai même le numéro de Satan. La dernière fois, j'ai vu la petite soeur de son père. Elle m'a dit, comment faut c'est comment non? Tu ne viens pas au deuil. On sort du deuil là. Elle m'a donné son numéro personnel. J'ai le numéro des membres de sa famille. Ce n'est pas que vous voyez que c'est tout le monde qui part à côté du neuf qui demande l'argent. Donc il va nourrir tous les pauvres du Cameroun. Parce qu'il n'a pas de pauvres dans sa famille. Ouais, ma foi, la Pairie était allée tranquille là-bas. Tu viens verser ici. Non, ça sentait un peu. Vous savez que quand tu es au pays, que les gens t'acculent, l'aéroport de Douala, la chaleur de ça. Ça chauffait, non? Donc, je sais qu'il y avait un peu les odeurs de ça. S'il vous plaît, capturez bien, non? Les abeilles, capturez bien, s'il vous plaît. Attendez, ça ne bouge pas, non? Capturez. Faites les captures. Capture d'écran. Pas l'ombre cotos. Est-ce que j'ai eu besoin de demander que tu me connais? Je vous montrais. Oh, attendez, j'étais en train de vous montrer un truc à... Oh, la photo du neuf. Oh, le neuf des neufs. Il faut couper. Vous prenez, vous coupez comme ça. Le sourire de ça. Oh, Flore la star. Vous allez beau faire que on va la détester. Mouf. A changé quoi? C'était chez Kouni, m'a bien reçu. Attendez, vous montez les fleurs là alors. Donc, je vous disais donc que je suis allée à... Tajidor, au Tajidor, j'ai fait les photos là. Ça, c'est le chemin. Il y a un beau jardin là-bas. J'ai filmé pour voir les fleurs qui poussent au pays, non? Mais vous savez que Douala, il fait chaud. Voilà, ce n'est pas les photos. Voilà. Voilà, même Koun qui dit, le frère, il est c'est son frère. Le neuf, c'est son frère. Il dit, il est son frère. Voilà ça. Pas les roupéros qui sont derrière lui, là. Les vrais gens qui sont restés avec lui, que ses frères. Donc, je suis allé voir les fleurs qui poussent au Cameroun. Ça, c'est au Tajidor, mais l'entretien. Ça, c'est au Tajidor. Hein. Ça, au Cameroun, hein? Le Tajidor. J'ai bien filmé les plantes, là. Donc. Non, Koun la paix, bien, t'inquiète, Koun pas chez les taux, sa mère prépare. Qu'on mange. Ce n'est pas que ce qu'on vous raconte, dit que qu'on part là-bas, sa mère prépare qu'on mange bien. Elle reçoit Olivia. Ce n'est pas que laisser l'histoire du quartier, le Congo, ça que les gens viennent raconter. Olivia part au Cameroun, la mère de Samuel la reçoit bien. Elle ouvre les portes, elle entre là-bas. Dit que bon, elle salue maman, parce que le problème des enfants, elle les regarde, pardon, laissez ça. Bon. Les gens, ouais, je vais en leur faire quoi? Il est quelle heure maintenant là? 14, 15, 16. Ok, dans une heure, ça va. La lionne, ma foi, est ta jumelle. La lionne, ma foi, est ta jumelle. Qu'on a pris un salon, hein? Le 9. Pardon, ne partez pas dormir, restez avec moi, non? Ouais. Koun, pardon, on va mettre le deuxième Mouna, non? Toi aussi. Pas dormir, mon frère. Va nous faire notre famille. Nous, on veut l'équipe de foot, pardon. Tu ne dors pas, mon frère. C'est Dieu qui donne. Tu as vu comment la matière est venue? Tu as fait voyager la matière. Et... C'était top, mon frère. Mettons nos parents en haut vivants. Oui. Si je suis une femme aussi dans le mariage, le mari ne fait que mettre que sa mère en haut. Et que ma mère aussi. Quoi? Dans le mariage, malin, malin et demi-haut. Je vois les femmes ici dehors renier leurs parents.
Ce n'est que le mari qui met sa main en haut partout là, vanter sa mère. Quand est-ce que vous allez vanter vos parents aussi? C'est la question. Quand est-ce que tu vas vanter ça? Vous voyez Pipi qui a insulté son beau-père. Son beau-père. En plein mondovision. Jusqu'à dire que tu n'es pas son père. Tu ne l'as pas élevé. Quel toupet. Le gars est go. Ma peau ne mange jamais. Oh, ma peau à vie. Ouais, Pipi, ton jangui, non. Tu bouffes ça propre là chez maman Pépé. Tu bouffes propre. Le décalage horaire de 9h. Donc, tu peux comprendre que. Tu peux comprendre nos filles gérées. Bon, je m'en vais. Je suis que ma mère dort déjà depuis. Est-ce que vous savez que les Américains. Maman. Les gens, les Américains n'ont pas honte. Je dis que, avec les, dis que les grosses femmes là, elles sont là comme ça, elles portent les petites. Non. Ouais, non. Hi, baby, I want cut the life now. I want cut my life. Small time, I'm going to, to Beverly's because I want to do my soin of the visage, you know. Okay, I can call you back. Love you. Les Américains, eh hey, pardon, les abeilles, votre père américain, c'est parce que vous avez compris comment il parle anglais, non? Votre papoupou est maintenant qu'un américain. Votre père américain, je vais dormir là, il faut me réveiller. Votre père américain, j'ai dit que love you. Vous savez, la vie c'est la stamania, non? Ce n'est pas facile. Quand tu as défait ta stamania, que tu gagnes ta vie, certains te regardent comme ça, ils se moquent même de toi. Mais nous, moi, je voulais remercier encore tous ceux qui me donnent le choco. Je suis aux États-Unis. Mon numéro de téléphone WhatsApp, c'est le 0033-679-40-59-92. Je suis à Los Angeles. Chaque fois quand je viens ici, je tape le salam. Parce que ce sont les Américains qui m'aident. Sans vous mentir, ici aux États-Unis, vous avez beaucoup contribué à mon chantier. Et j'aimerais vous dire que je ne simplifie pas. J'ai le zèle. J'ai le cash app. Donc, si vous êtes aux États-Unis, que vous voulez m'envoyer le cadeau d'anniversaire, il n'y a pas de problème. Je vous donne le zèle ou le cash app. Vous m'envoyez un petit quelque chose. Ce que je voulais vous dire. C'est ça la stamania, non? Sans vous, je suis quoi? Rien. Je suis obligé de venir là pour vous parler. Sans vous, je suis rien. Oui. Je sais que c'est la rentrée scolaire. Ce n'est pas facile. Zelle Kacha. Ma fortune n'est plus écran. Pardon. Que le père des abeilles n'est plus écran. Non, le père des abeilles, c'est un américain. Pardon. Bah, maman les akata alors. Hey, les Yaoundé disent qu'elles aiment la bagarre, maman. Hey, les filles américaines, la sauvage, donc elles sont d'une sauvagerie. Hein. J'entends que les Yaoundé aiment la bagarre. Les noirs américaines, hein, on les appelle akata. Elles aiment les poudons. Elle parle seulement les madame fuck you. Il faut les voir. Madame fuck. Je dis que je les regarde comme ça. Moi, je me recule seulement. Quand j'entends les madame fuck you. Fuck you, c'est les mots qu'ils ont. Je me recule. Ça veut dire que. Oh. Tout ce qui va fuck, hein. Fuck, fuck. C'est ce qui sort dans leur bouche. Elles sont sauvages. Elles bagarrent.
elle lutte. On me dit que les Américains ne luttent pas. Les Noirs américains là, non. Moi, quand il arrive quelque part, moi, quand je suis quelque part, que les gens là, une voiture qui file un peu là, je dis, c'est manque pardon. Parce que les gens là ont les ringuing. Tout le monde a les ringuing ici là. Ils ont les ringuing, tout ça là. Le décalage horaire là est fini. Avant, je dormais la journée comme ça. Un peu. Les tables sont toujours disponibles. L'étude de dernière minute que wow. Écris-moi sur WhatsApp, chérie. Te donne mon cash app, chérie. Écris-moi sur mon WhatsApp privé. Je t'envoie mon cash app. S'il te plaît, amour. Écris-moi, je t'envoie. Le cash app est zèle. Écris-moi sur mon numéro privé si je vais t'envoyer ça. Le cash app, je t'envoie ça en solo normal. S'il te plaît, mon bébé. Merci, mes cœurs. Merci. On est là, on tape le salam. Taper le salam, c'est un âme, mon frère. Et mes fans sont fiers de me donner parce qu'ils me disent, tu le mérites. Tu es amour, tu le mérites. Quand je reste sans venir faire le direct, vous me cherchez. Quand il vient alors faire le direct, vous dites alors, elle a trop duré en direct. Elle a trop duré. Finalement, vous voulez quoi? Hey! Je vais vous dire quelque chose, maman. Facebook, ne cliquez plus sur n'importe quoi. On pirate les comptes ici. C'est Lolo Pipi qui a piraté avec ses... Ouais, bon, non, c'est plus ton nom, vraiment. Ça ne me sert à rien. Je me sens fatiguée. J'ai les choses à ranger là. Quand tu viens ici aux États-Unis avec la valise vide, tu rentres toujours avec beaucoup, beaucoup de choses. Ouais. Vous faites des gros bisous. Merci pour les étoiles. Oh. Un bravo à Nicole qui a su tenir son blog. Parce que c'est bien de rester avec des gens sans chambouler à gauche, à droite. Nicole, reste comme tu es, ne change pas. Tu sais, les gens voient. Les gens ne sont pas bêtes. Sincèrement. Les gens t'aiment et... Oui, je parle déjà à mon cœur. F-Imagina, tu es là, non? Appelle-moi, non? On tape un peu le divin. Je vais m'accoucher. Appelle-moi, tu me parles un peu, je dors. Il faut que je me repose. Quand viens me chercher, m'amener. On va me faire les soins. Je vais à Beverly's. Je vais seulement mettre un truc au-dessus de ça. Moi, on ne peut pas moi marcher là-dedans comme ça, comme les Américains, là, no fit. Je ne peux pas, je n'ai pas encore, je n'ai pas moi. Je ne peux pas marcher la qualité là, comme les Américains marchent là. Nicole a su tenir son blog parce que ma faute, tu allais fatiguer. En fait, hein, je vais te dire pourquoi je suis fatiguée, chérie. C'est parce qu'en France, il est tard. Et mon corps, ici, depuis que je suis arrivée, pour que je sois bien, vous voyez, quand c'est la nuit en France, je dois toujours dormir un peu ici. Mais c'est une heure. C'est le décalage horaire. Je n'ai pas encore géré ça. Oui. Je vous fais des gros bisous, mes cœurs. Je vous aime. Si vous voulez mon cash, vous m'écrivez mon numéro de téléphone. 0033 679 40 59 92. On ne refuse pas le choco. Bisous. Je vous aime. Bye. Demain.